Chez Dodd, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ce que j'ai reçu de la part de Kat, de Catherine, donc de la chaîne Kat avec 3 T, ça j'adore. Et en fait ça a commencé par normalement un échange d'ATC, et puis comme elle est abonnée à ma chaîne et que je suis abonnée à la sienne aussi, j'avais vu des choses chez elle de Lidl, et puis elle me dit bah moi Lidl c'est une grande histoire d'amour parce que ça fait 20 ans que j'y vais, et puis mais il y a des chocolats, des choses que bah nous on n'a pas, donc si bah, c'est chouette mais nous on les a pas. Alors du coup bah je me suis dit bah tant qu'à faire autant lui envoyer des petites choses en plus de l'ATC, donc j'avais dit bah si tu veux, si j'arrive à en trouver chez Lidl, je t'en enverrai. Du coup bah c'est comme ça que c'est parti, et puis elle m'a dit bah si tu veux, moi aussi j'essaierai de te trouver quelque chose qui vient du Portugal, une spécialité culinaire. Oh bah je dis ouais ok, ça roule. Donc bah on s'est fait chacune un petit colis. Elle, je sais pas si elle fera une vidéo dédiée ou pas. Si elle fait une vidéo dédiée, entre-temps, je mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Bah, sinon, c'est pas grave. Moi, le principal, c'était cet échange et qui m'a fait juste super, super plaisir. Donc, elle m'a d'abord, pour accompagner tout ce qu'elle m'a envoyé, fait une jolie carte comme ceci. Père Noël, vraiment ça c'est ça, ces petits embellissements qui viennent de chez Action que j'aime énormément, vous le savez si vous me suivez. Et donc le petit mot bah, il est très très gentil, ça me fait super plaisir, merci encore Kat, gros bisous à toi. Et donc bah, la TC quand même, puisque c'était à la base c'était pour elle hein, que l'échange, c'est comme ça que ça a été lancé. Donc il est comme ceci, il est très très joli, moi je le trouve vraiment, c'est la série Noël 2, et bah, c'est très sympa. Donc je sais pas encore ce que je vais faire des ATC, si je vais leur faire une petite boîte destinée, si je vais faire un petit cahier, je sais pas encore trop comment je vais les mettre de côté, parce que je vais vous faire une autre vidéo parce que j'ai eu d'autres échanges et je vais vous montrer tout ça, mais toujours est-il que voilà, je veux qu'elles soient protégées, qu'elles soient mises à un endroit où je puisse les regarder, les garder, voilà, c'est ça YouTube, c'est tout ce partage, et donc je veux qu'elles soient bien en sécurité. Que je vous la remontre une dernière fois, elle est très très sympa. Et pour compléter tout ça, Kat m'avait envoyé donc dans son colis qui était hyper bien protégé avec du papier bulle, en veux-tu en voilà, et des comment ça s'appelle, une espèce de papier de soie rose. Donc elle m'a envoyé plein, voilà le temps. Hein, de papier embossé, si je dis pas de bêtises. Là on a par exemple Happy Birthday, là encore Happy Birthday, mais ça pour faire les fonds de cartes, franchement ça va être juste du plaisir. Donc on a plusieurs Happy Birthday, on a des petits flocons comme ça qui sont juste trop jolis, on en a un gros là jaune, et il y en a un vert derrière aussi. On a des chevrons, des étoiles, bref, il y a vraiment de quoi faire. Il y a plein de sujets différents. Là, on a des notes de musique. Ah, bah, ça, c'est super parce que mes garçons font du piano. Donc, pourquoi pas leur faire une carte avec quelque chose comme ça. Ça pourrait être très sympa. Là, on a des encres marines. Franchement, non, c'est vraiment... super, ça je vais pouvoir me régaler avec pour créer des petites choses sympas. Là on a une très jolie rose, je sais pas si, voilà, si jamais comme ça vous la verrez. On a des petits nuages de ce côté-ci sur un fond rose, c'est super sympa. Voilà, là on a des jolies fleurs aussi, moi qui adore les fleurs, sur un fond gris. Bref, c'est que du plaisir. Là aussi, on a une rose et l'autre, c'est encore des espèces de fleurs, de mandala, de voilà, dentelle. C'est super sympa. Dernier, là, c'est un rouge orangé. Bref,
bah, trop contente déjà de ces papiers qui vont plus que me servir, ça c'est clair, je vais les intégrer dans des cartes, ça me fera super plaisir. Elle m'avait mis, alors ça c'est le coup de cœur de tout ce qu'elle m'a envoyé, même si tout me fait plaisir, mais j'ai quand même un gros coup de cœur, c'est ce bloc de cartes postales. Un peu sur le thème enchanté, forêt enchantée. Je pense que c'est du portugais puisque Catherine vit au Portugal Donc je pense que la langue c'est du portugais, mais moi j'ai jamais étudié cette langue-là, donc voilà. J'ai bien envie de tourner la caméra pour vous les montrer. Je vais la tourner et je vous les montre. Je vous montre la dernière chose qui était dans le colis et ensuite je vous montre le contenu du petit carnet de cartes postales. Et donc le dernier, toujours très bien emballé, donc voilà, j'ai gardé pour vous montrer justement un des paquets qu'elle m'avait fait. C'était super bien scotché, bref. J'adore. Moi, je sais que j'ai pas emballé individuellement les choses dans le colis parce que si vous me connaissez, vous savez très bien que elle m'aurait reçu avec, vu que je suis zéro en emballage. Moi, je m'emballe avec le cadeau et je ne suis pas forcément un cadeau. Donc voilà. Et donc, ce sont des petites. Je pense que c'est des petits biscuits, des espèces de petites langues de chat, chocolat blanc et au lait. Qui se présente comme ça. Donc déjà la boîte, elle est juste trop mignonne. C'est des chocolats, non? C'est chocolat au lait, 50% et blanc. Hâte de les ouvrir et de les tester. Je vous en reparlerai dans des produits terminés, puisque maintenant j'en intègre. D'ailleurs, ça vous a plu la dernière fois. Donc hâte de les tester et ça me fait super plaisir. Donc je tourne la caméra et je vous montre le contenu du petit carnet de cartes postales. Donc le voici, le voilà. Alors rien que la couverture, elle est juste trop belle. Donc il y a 20 cartes à l'intérieur. Thème vraiment enchanté, féerique, forêt enchantée. C'est ce que, pour moi, c'est ce que le titre évoque. Hein. Après, comme je vous dis, je ne parle pas du tout portugais. Donc alors en premier, unicorne avec plein de petits détails comme j'aime. Je vais avoir du mal à les colorier parce que je les trouve sublimes et en même temps il m'appelle ce carnet, donc je pense que je vais en faire et je vous les montrerai. Là on a encore une licorne, un magnifique pan, et en plus c'est bien parce que c'est petit quand même, vous voyez, par rapport à ma main, donc ça va aller relativement vite. Et vous aurez quelque chose de joli à la fin, parce que déjà rien qu'avec le dessin de base, je pense qu'on peut pas trop se louper et faire quand même quelque chose de très sympa. Là on a une petite fée, un joli papillon, non c'est pas un papillon, c'est encore une petite fée papillon en fait. Elle m'a bien cerné hein, Kat, hein, parce que les oiseaux, les papillons, c'est quand même mon délire à moi, donc... Vraiment, il est juste trop beau ce petit carnet. Encore une jolie licorne. Mais alors, elle est vraiment très haute perchée. Elle est limite girafe, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est spéciale, mais j'aime beaucoup. Encore une licorne. Un dragon. Une petite fée. Encore une fée ou elfe, je sais pas trop. Une fée dans la forêt. Un très joli, je sais pas si c'est vraiment un paon, mais bref, c'est un oiseau imaginaire. Là, c'est un kiosque avec des plantes autour. Encore une jolie licorne. Un château. Et des petites libellules, moi j'adore les libellules. Et le dernier encore, les petits oiseaux et la licorne, bref, tout ce que j'aime. Donc je suis trop contente. Le papier, il est forcément de bonne qualité vu que c'est une carte postale, donc c'est super épais. Donc pas de danger de transpercer. Je connaissais pas du tout, puisque à mon avis, il est vendu que au Portugal. Et moi, vu que j'y vais pas au Portugal, voilà, je suis un peu beaucoup trop loin, moi et ma Picardie. Même si le Portugal est un pays qui m'attire, parce que j'ai mon meilleur ami qui vit là-bas,
Je l'ai pas vu pendant 17 ans et je l'ai retrouvé l'année dernière. Donc voilà, j'ai des nouvelles du Portugal. Je sais qu'ils ont eu beaucoup d'incendies encore cet été. À chaque fois, ça me fait froid dans le dos. J'ai peur pour lui. Et bah, maintenant, je penserai à Kat aussi quand il y aura les incendies. Donc voilà, super contente de ce petit carnet qui, ma foi, est vraiment, vraiment joli et me correspond tout à fait. Eh bien voilà, je vous ai montré tout ce que contenait ce joli colis. Merci encore une fois à toi, Kat, pour m'avoir envoyé plein de merveilles qui m'ont fait juste super plaisir. C'est ça aussi la magie de YouTube, c'est ça aussi pourquoi je me suis lancée. C'était pour partager, pour échanger. Et là, avec les ATC, les quatre échanges que j'ai pu faire, les quatre ont été super sympas. Donc là, vous avez vu celui de Kat, mais je vais vous montrer les ATC que j'ai reçus dans une autre vidéo, parce que comme ça sera pas trop long pour vous. Et puis pour moi, monter, ça sera bien aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, je vous la remettrai en barre d'infos. Il reste un petit peu d'ATC, parce que bon, forcément, vu que j'ai fait des échanges, tout n'est plus disponible. Donc je vais essayer de bien mettre à jour tout ça pour que comme ça vous sachiez ce qui reste. Et je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires, pour votre présence, pour le fait d'être là. Voilà, merci encore à vous. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, parce que là, ça y est, on y est. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.